Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal Mitan Genéan sur télévision nationale d'Haïti. Président public là, Jovenel Moïse, a participé dans le 8e sommet Amérique là, qui a fait 13 à 14 avril dans le pays Pérou. Sommet ça a déroulé sous thème gouvernance démocratique face à la corruption. En suivre précision, porte-parole de la présidence là, Avenue Joseph, dans le micro, Falan Delphes. La gouvernance démocratique face à la corruption, c'est thème ça qui est événement ça. Objectif général en sommet, c'est réunir les chefs d'État et de gouvernement de la région 35 au total en vue de prendre des décisions sur des questions politiques importantes pour région et autour d'un thème de discussion que pays hôte qui c'est Pérou t'est proposé par rapport avec agenda régional. En guise de retombée pour Haïti, président République a profité de activité ça pour le faire des rencontres bilatérales et multilatéral avec homologue Lio dans l'idée pour être capable mieux lutter contre fléau ça dans le pays d'Haïti. Et sommet en tout là pour offrir aux participants l'occasion pour rejoindre un consensus pour une action durable et significative dans le combat à mener contre la corruption. A gagné des réunions bilatérales entre la première dame de la République d'Haïti, Martine Moïse, et son homologue du Pérou, Madame Maribel Diaz Cabello. Et activité ça a fait au palais du gouvernement le 13 avril 2018 à 12h30. Président République là, Jovenel Moïse avancé dans quatre projets pour tablier l'électricité dans le pays 24 sur 24. Chef l'État fait une visite information mercredi 11 avril là dans sous-station commune Taba, une site moderne pays a gagné. Chef l'État qui était avec lui ministre travaux publics, transport et communication à Fritz Kayo et puis directeur général EDH là Hervé Pierre lui annoncé toute une série de démarches administration là a fait pour assurer réussite projet distribution courant dans le pays d'Haïti. Nous invitons à suivre un reportage Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Sous station Tabar là pas produit courant électrique mais il joue un rôle transformateur qui permet de contrôler tension courant qui entre dans les consommateurs. Non, poste là. Là. Puisque pas les lignes sorties là-dedans, ça veut dire qu'ils passent en souterrain, il y a 6, mais ils sont sous côté béton là, en bas il y a levé là, et puis l'autre deux, mais côté il y a levé là. Donc ça à travers le poste, l'alimentation du site industriel, nous avons sur le tabac ou l'alcool. Pour nous entrer dans la salle de commandement pour nous retrouver, mais comment, et c'est plus rapide. Visite ça permet chef l'État comprendre plus bien le fonctionnement sous station ça, qui a une capacité 48 MW courant, li équipé à matériel moderne. Président républicain Jovenel Moïse dit qu'il a travaillé pour mettre trois lots sous station comme ça dans la zone métropolitaine. Sous station ça, que nous la donnons, d'après l'information que les techniciens ont sur le moins, ils ont capacité de recevoir jusqu'à 48 MW. Et dans Port-au-Prince, nous avons besoin de 12 comme ça. Nous avons déjà sous station ça, qui est une sous-station tout neuf, on dit, dans le plan de continuité de l'État, sont sous station qui pratiquement. C'était fini depuis 2015, c'est l'administration président Martelly qui a fait. Avec dit aujourd'hui, son sous-station qui était coûté l'État haïtien 16 millions de dollars, c'est ça. Aujourd'hui, nous même avons travaillé pour que y ait trois autres sous-stations comme ça qui construit dans la zone métropolitaine. Tout neuf. Et il y a 8 autres sous-stations qui méritaient pour réhabiliter, ça veut dire pour nous mettre dans la même condition avec sous-station ça. Pour nous venir 12 sous-stations comme ça dans la zone métropolitaine. Non? Pour le nous dit zone n'a pas besoin de 600 MW là nous tout comprendre n'a essayé multiplier 48 MW multiplié par 12 n'a ouais qui chiffre n'a besoin ça veut dire sous station ça yo c'est eux même qui là pour recevoir courant c'est un coup son sorte de filtre ça veut dire de l'eau à privé les rivé sale mais le côté pour le filtrer avant ou pas ou le boubouel elle disait même gens sous station ça courant ça qui saute pelic ça saute cafou ça saute navareux ça saute ipawe tout entrer là population sur route pour joindre l'électricité à 24 sur 24 mais tout effort ça yo mandé un sacrifice comme quoi faut moun kap utiliser courant d'accord payer pour service là pour permettre l'état joindre moyen pour faire entretien équipement non j'aime toujours dire pour nous mettre courant dans pays là ou même kap garder nous faut payer courant EDH font gros effort nous songer le on peut investir du moins. Nous avons environ moins que 30%
de capacité de recouvrement. Je dis, nouvelle que mien, EDH, il y a 51%. Et je travaille pour d'ici fin d'année, pour nous arriver entre 65 et 75%. C'est rêve ça nous gagne, ça veut dire pour le monde dans le pays à payer courant. Parce que si vous avez besoin de courant 24 sur 24, ce n'est pas arrêter pour être dans mauvaise pratique, pour arrêter pour payer le monde sous-côté. Le monde nous paye sous-côté qui est au courant, côté le jeune. C'est qu'on aide à chaler voler, les vins vont nous. Je dis, on a dit tout le monde qui a fait voler courant, on a travaillé pour une législation qui fait pour ça, pour l'heure que mon monde dans ça, pour un problème avec la justice. Parce que courant, dans tout pays sous la terre, il n'est pas gratis. Et en Haïti, il n'est pas gratis tout. Président Jovenel Moïse a avancé à grand pas dans quatre projets pour établir courant dans le pays d'ici 16 mois à Cap-Vinila. Dans le jour Cap-Vinila, le responsable pour lancer appel à manifestation d'intérêt pour 45 communes. Merci Sabine et Jean-Naël. Ministre intérieur, collectivité territoriale, Max Rodolphe Saint-Albin, accompagné avec parlementaire Nipio, lancé travail construction route Allo dans la commune Ansavo. Travail ça rentré dans le cadre caravane changement. Un reportage avec Anne-Marguerite Auguste. Études géophysiques ont prouvé sol qui dans zone chaude masse là. 300 routes ça a bien pour sortir dans la ville Ansavo, passer à Nau, l'Asile, Vieux-Boudaquin pour arriver connecter département NIP avec département Sud là. Directeur départemental MTPTC NIP là, Jean Wilson Augustin fait connait y a prend environ une année pour construire route ça. Il commence Ansavo, dans bourg Ansavo, dans ville Ansavo, la passer dans ville Arno, commune d'Arno, il va aller l'Asile, ville l'Asile et puis la descendre sur Vieux-Boudaquin pour connecter avec RN2. D'un coup, on a connecté département et commune Ansavo avec commune Arno, commune Arno avec commune l'Asile et d'un coup, on a connecté département NIP avec département Sud. Ministre intérieur à collectivité territoriale là, Dr Max Rodolphe Saint-Albin, expliquer réalisation travail ça fait partie engagement chef l'état te prend dans campagne électorale li pour tourner vote là by peuple haïtien sous forme service. Délégué départemental Niplan Givard Labé croit construction route ça pour aider à améliorer condition la vie moun dans zone nan. Li fait connait route considérée comme un moteur développement yon pays. Caravane Josia, nous nan savon, nous pour aller en eau, nous pour l'asile. Pour nous arriver vieux Boudaquin, je veux dire nous, pour l'autre côté, prends cœur, nous connaissons nous impatients, et prends patience, président Jovenel te promet nous, caravane privée dans tout département. La priorité à Kounien, c'est relier aux communes, une à l'autre, côté qui ne peut jamais gagner route, commune qui ne peut jamais communiquer une à l'autre pour sa fête. Et ensuite, pour Jean-Président te promettre, nous n'avons pas besoin de fatiguer, nous pas connecter section avec nous-mêmes. Eh bien, Jodia, c'est quelque chose de tangible, de visible, qu'à garder le well et au garder le lancement fait. Matériaux, ça, ce n'est pas bagaille qui imaginaire. C'est des engins lourds qui l'a devant yeux tout le monde. C'est pour dire président ça, c'est pas un président qui vient pour le parler. Son président qui vient non seulement l'a parler, mais l'a poser des actions concrètes. Et on croit c'est sa population ça t'attend. Une population qui est marginalisée, qui toujours a souffri, qui toujours dans l'oubli. Eh bien, nous avons un gouvernement qui coiffé par Premier ministre Lafontaine et président Jovenel qui dit peuple là, l'île pour nous suspendre rêver, li mener réalité à bayo. Parlementaire Nipio salue l'initiative ça prend pour ouvrir route dans tout côté qui gain espace pour ça dans pays a. Yo croit avec travail qu'a fait dans route yo, plusieurs monde a privé joindre travail, ça qui pral porter une autre amélioration dans condition la vie monde qui vivent dans zone ça yo. Nous parti avec ça et nous pensons que nous pral travail pour n'aller aborder l'autre problème parce que c'est pas seulement route en Savo l'asile la gagne, faut que nous pencher sur route. Si tout baradère, sous route, faut que nous passions sous route. Baradère, Plaisance, l'asile, nous pensons que tout ça est inscrit déjà dans le plan d'action. Hein? C'est dans le président de la République. Mais c'est Jovenel Moïse qui, dans le campagne, nous avons accompagné. Sans goutte, nous avons décidé de dépenser pour que les gens, les gens savent, les gens, l'asile, le département de la République, respect ça. Respect ça, c'est le budget qui nous a voté. Ils ont baptisé le budget criminel. Et aujourd'hui, on dit prendre responsabilité. Nous avons dit oui, nous votons,
parce que son budget qui va pas changement. Construction route ça fait partie du programme politique président Jovenel Moïse pour réparer et construire route dans tout le pays dans l'idée pour rêver connecter tout département yon ak l'autre. Ça cap facilité aller venir dans marché départemental ak interdépartemental yo. L'autre information dans le journal la 8e édition Sommet international sous finance avec 3e édition Fintech là prend poursuivre dans Pétionville. Pour 3e journée en mercredi 11 avril, l'activité a déroulé sous finance publique. 8e édition Sommet international sous finance là qui était démarré lundi 9 avril là à bout 14 avril cap vini là. Yon contrandi à Rachel Saint-Fort. Présente en réalité pays a mobilisé différents acteurs dans le secteur agricole et financier sous problème pays a fait face. Permettre de gagner information, qui permet de prendre bon genre de décision, qui améliorer les conditions de la vie de la population. Ce n'est pas mon objectif. 8e édition Sommet international sous finance. Pendant le déroulement du sommet, les organisateurs ont fait connaître, ont déjà rencontré acteurs dans la question électricité, agriculture et puis parlementaire. Pour la 3e journée, l'activité a été chita sous finance publique. 3e journée sommet en général, c'est sous finance publique. Nous avons commencé avec une activité depuis New York. Gagné Nations Unies, qu'on connaît qui gagne objectif développement durable, ils ont averti pays, tant qu'Haïti, que pas de possibilité, c'est appui budgétaire, c'est international qui va faire développement, qui pour atteindre objectif développement durable. Il faut qu'on soit capable de nous-mêmes dégager pour augmenter les ressources domestiques, les ressources locales. Et vous soulignez nous que, en moyenne, pays qui pauvre, ont seulement 13% de pression fiscale. Ça veut dire que sur chaque 100 gouttes que vous gagnez, ce n'est pas taxe que nouvelle taxe, non? C'est seulement 13 gouttes que le pays a au bail. Haïti, année ça, 12,70. Dans l'occasion, l'économiste Christian Farrell parlait de ensemble problèmes que le pays a rencontré, tant que corruption, inefficacité, problème évasion fiscale. L'invité acteur concerné a réfléchi sur le problème sans eux, dans l'idée pour augmenter les ressources domestiques, locales et puis pression fiscale. Pour permettre l'État d'avoir plus de ressources pour bailler la population en service. L'État a trois façons qui entrent comme dans la caisse. C'est les ressources domestiques, il y a DGI. Le budget, c'est son budget de 144 milliards de gouttes, mais l'État est capable d'entrer seulement 93 milliards de gouttes pour qu'on parle. 93 milliards de gouttes, ça, comment l'État entre DGI pour entrer 73 milliards. Ensuite, la douane a entré seulement 19 milliards. Lorsque vous avez un budget de 54 milliards de gouttes, vous avez 93 milliards de gouttes, donc vous allez obliger à le retenir 24 milliards de gouttes de dons et d'assistance internationale. C'est ça la plus budgétaire. Là encore, dans 24 milliards de gouttes, là, c'est seulement 3 milliards de l'État. 21 milliards, c'est international qui a décidé à travers des ONG pour le dépenser comme ça. Si vous faites 93 plus 24, vous pouvez arriver à 54 là. Quand on parle de financement budgétaire, là, c'est la troisième source là, qui pose un problème pour vous-même. Et très souvent, c'est obligé dans la banque centrale, là, on parle comme ça, on va le prêter. Et c'est lui qui parle de pression sur la monnaie nationale, là, parce que chaque fois que l'État parle comme lui prêter dans la banque centrale, là, c'est good que la banque centrale lui-même mette dehors. Et comme il n'y a pas de dollars à cause du déficit balance commercial, là, il va créer pression sur le good là par rapport à dollar. Contrôler le déficit budgétaire, réduire le déficit balance commercial, c'est sous thématique ça, au sommet à Pichita, à Nissa. Pour améliorer les conditions de la vie de la population, la responsabilité est quoi? Il faut gagner un investissement public. Pays a de produits plus et puis importer moins. Chef l'État Jovenel Moïse visité mercredi 11 avril là, chantier étude géotechnique a fait pour construire le palais national. Dans l'occasion, le chef l'État a demandé responsable dans la collectivité pour prendre bon jambes dans la façon de autoriser la construction de caille pour éviter même dégâts tremblement de terre 12 janvier 2010. Là, un reportage avec Falant Delphin. Études géophysiques ont prouvé sol qui dans la zone Chodmas là composé en majorité avec différents types d'argiles. Selon le directeur laboratoire national géotechnique TPTCA, Guy Fritz Joseph, cela n'est pas trop fiable. Cependant, c'est un site qui est contrôlable dans ce qui a eu à crise sismique, d'après précision. Le site ça, c'est un site qui est classé C selon norme IBCO, International Building Code. Ça, c'est avec code ça, nous-mêmes, nous travaillons. Notre terrain, ça, en tout cas, c'est une nature de terrain qui en partie argileuse. Il y a en descendant là, on rencontre plusieurs couches. Nous avons des couches qui sont argile, nous avons des couches qui sont argile marneuse. Nous avons des couches qui sont argile limoneuse jusqu'à profondeur 30 mètres que nous atteignons déjà là. Résultat favorable à ce projet. Ministre PTCA, ingénieur Fritz Kayo, mettait accent sur l'intervention de l'État dans l'étude qu'a faite pour la reconstruction du palais national. Quel que soit le bâtiment qu'on construit, on est obligé de faire une étude géotechnique.
c'est étude ça va permettre que soit sous-dimensionné bâtiment qui gens pour faire. Et ça a une importance encore parce que nous vous dit l'État qui prend charge. Nous c'est le laboratoire national qui a fait étude là, c'est pas une institution privée qui a fait. Et même nous voyons que qu'on y a nous plusieurs ressources de l'État, ces ressources ça au niveau du laboratoire national, au niveau du ministère des Travaux publics qui en accompagne, on prend toute équipe pour faire, pour nous construire par le national, pour montrer que nous-mêmes, l'État, je vous dis, nous prenons charge. Président de la République, la Jovenel Moïse, parlait sous compétence plusieurs cas d'haïtien dans le domaine. Pendant le rété, quoi, important pour professionnels qui viennent appliquer, ça a été apprendre. Chef l'État a lancé un appel à tout le monde qui construit dans le pays pour faire nos normes et règlements. Palais national, pose première pierre, on a fait le 12 janvier 2018. Là. Nous faisons pose première pierre, là, mais il faut. Tout le monde connaît que l'on construit un immeuble ou pas, ouais, ça qu'a fait là, mais il y a pile travail qu'a fait. Il y a pile monde qui dit bon, le président pose la première pierre à Palais National depuis le 12 janvier. Qui ça fait? C'est raison que ça fait, je vous dis, là pour le peuple là qu'on est, même je nous prends arrêté qui pour mettre sous pied mouvement pour construction palais. Ça veut dire qu'il y a un compte qui peut l'ouvert à partir du de ministère des Finances qui travaille pour ouais, comment. Hein, pour nous respecter la loi qui va permettre nous ouvrir un compte côté tout le monde qui a participé, même gens jeunes dans la Cité Soleil qui ont payé 10 000 gouttes, jeunes dans la commission jeunesse qui ont payé 250 000 gouttes, chaque te payé 25 000 gouttes par département, ça veut dire que nous commençons à faire un cob dans nous, mais nous pouvons faire un côté pour nous déposer. Actuellement, nous avons plusieurs docteurs dans le niveau ça, en géosciences qui sont dans le pays. D'ailleurs, nous avons une formation en master 1 et 2. Dans la faculté des sciences, côté n'a formé de jeunes ingénieurs dans niveau maîtrise en géosciences. Pour qui ça nous prend décision ça? C'est parce que nous avons une zone qui a pile risque sismique. Nous pas une zone comme ça pour que leur formation a fait dans l'université. Nous même l'État pour ne pas ouvrir les genoux pour nous garder ça qui a passé. Pour nous capables bien des formations adaptées à problème pays. Pose première pierre reconstruction palais national là t'est fait 12 janvier 2018 là pour réaliser projet ça. Chef l'État a installé un groupe travail pour réfléchir sur construction palais à 19 avril 2017 là. Porte-parole la présidence là Tamara Orion accompagnée directrice départementale l'Ouest Travaux publics là Yannick Théodore présenté ensemble réalisation caravane changement. Directrice départementale l'Ouest Travaux publics l'a dit, il y a un plusieurs travaux réhabilitation route, bétonnage et asphaltage qui déjà commencé dans plusieurs communes dans le département l'Ouest. Tamara Oyon expliqué travail kirage, canal mise en place sans démoplation a continué pendant caravane là. Porte-parole la présidence l'a précisé, EPPLS déjà construit 129 cailles dans Fond Rouge, 52 lots dans Les Iois et 54 lots dans commune Roseau. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Falande Delphin. Dans le département de l'Ouest, la caravane changement a commencé déjà. Il a commencé sous 20 communes, nous déjà travaillons sur 11 communes. 11 communes nous travaillons déjà, c'est Orcaé, Léogane, Croix des Bouquets, Tabor, Kinskoff, Cornillon, Cité Soleil et Carrefour. Reste 9 communes, nous avons bien pour intervenir sur après parce que nous n'avons pas fait tout en même temps. Dans Cornillon, nous commençons à faire élargissement de route, nous avons fait reprofilage, chaussée, nous avons fait terrassement. Ça veut dire déjà que nous avons moins d'accidents sur la route Cornillon. Dans Orcaé, nous avons fait réfection chaussée, dans route de Jérusalem, dans Orcaé, nous avons déjà fait caniveau, nous avons commencé à faire terrassement. Dans Tabor, nous faisons élargissement de la route Clercine. Croix des Bouquets, nous travaillons dans la plante Tremblay 12, une route qui est la route de Turbe. Dans Kinskoff, nous travaillons aussi, nous faisons réhabilitation de chaussée en Adoquin. Dans Léogane, nous travaillons dans la route d'Orbonne, nous travaillons dans la route Mélier.
toujours dans quatre caravanes d'hommes. Il y a un travail de labourage qui fait dans plusieurs parcelles et pour agriculteurs dans plusieurs communes, notamment dans la commune Croix-des-Bouquets, dans Petit Gouave, dans Léogane, dans Tomazo. Et il y a tout travail de labourage qui fait tout dans NIP, en Savo et également dans Miragouane. Et dans le département centre, il y a un travail qui fait tout au niveau de Mirbalet, côté il y a 174 hectares de terre labourés. Et dans la distribution de semences, il y a 20 tonnes de semences du riz que le ministère de l'Agriculture distribue dans le département sud. Dans ce qui concerne Rivière, le travail qui a fait, il y a plusieurs travaux de réhabilitation de murs en gabion qui fait dans Banalier, là nous dans le département sud, dans la rivière La Ravine du Sud. Il y a un travail tout d'endiguement, brèche tout au long, fleuve la Tibonite là, qui commençait et déjà au monde qui est dans la 5e section Bogozel dans ces mac déjà ouais travail ça y a. Question coopérative agricole, il y a 12 coopératives agricoles et il y a continué le processus encadrement, il y a un travail de labourage qui a fait pour eux, il y a une mobilisation pour campagne agricole printemps et dans le cadre de canaux d'irrigation. Le ministère de l'Agriculture fait curage dans plusieurs canaux, notamment dans des dunes, dans le canal Fossé d'Abot Ouest, dans le curage Drain Ferme Cova, et également, il y a un travail curage qui fait tout dans des dunes. Et le ministère de l'Environnement a continué toujours avec le processus centre de germoplasio, c'est dans ce sens à tout, il y a une identification de sites pour construction centre germoplasio qui a fait notamment dans le département du centre et l'Antibonite, également EPPLS, même tout dans la caravane, puisque il y a plusieurs cailles qui sont en construction déjà dans la commune Fond Rouge, il y a 129 cailles qui sont construites, il y a tout dans la commune Roseau, il y a 54 cailles qui sont construites. Gagné tout dans la commune Corail, gagné 52 cailles qui prévoient construire, et également gagné 52 cailles qui prévoient construire toujours dans les Iwa. Porte-parole, président Lucien Jurand, intervention, le palais sur l'importance état généraux sectoriel nation a gagné pour administration Moïse Lan. Yon l'autre bord, Lucien Jurand mande population arrêter patient dans sa qui gagne pour ak prochain remaniement ministériel là. D'après Lucien Jurand, remaniement propre à le déranger programme développement administration Moïse à gouvernement Lafontan, yon moyen pour améliorer conditions vie population. En suivant bout nan explication. État généraux sectoriel de la nation répond à une promesse de campagne du président de la République. C'est espace par excellence côté que chef l'État a pensé que tout haïtien dans tout secteur capable chita parler pour nous définir qui côté nous là la pays. Le président de la République, le premier d'entre nous tous, lui convaincu d'un bagage, lui-même seul, lui pas capable de faire face à ensemble de défis qu'il a eu, même s'il est le chef de l'État. Dans la concertation, faut que nous entendions parce que trop déchirement, nous avons trop zizani, nous avons trop points, nous pas entendre sur lui. Et seul côté nous cachita pour nous poser des accords, pour nous mettre d'accord sur le côté de notre pays, dans 25 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est dans le dialogue. Et c'est ça qui fait la voix. Alors qu'au niveau du cabinet de la présidence, il y a une pile disposition que tu prends pour que l'État généraux sectoriel de la nation ait lancé déjà le 7 février, eh bien, on a attendu jusqu'à la fin du mois de mars. Pour qui raison? C'est parce que chantier ça trop important. Li trop important pour le pays, li trop important pour le président de la République, pour que c'est un dossier qui est abordé avec la moindre légèreté. C'est ça qui fait. Toute personnalité qui t'a contacté au niveau du cabinet de la présidence, nous te prenons le soin pour nous te peser, sous-peser et assurer pas qu'il n'y ait aucun manquement dans la procédure d'invitation, ni aucun manquement en termes d'inélégance dans l'approche, pour nous être capables de certifier que tout désigné, yo te répond volontairement ou yo autour de la table. Est-ce que le changement ou remaniement du cabinet ministériel, ça veut dire que l'équipe a mal joué? Pas forcément. Mais à chaque fois que l'objectif visé, nous estimons que nous avons atteint nos délais qui sont courts, à chaque fois que nous estimons qu'il y a de nouvelles stratégies qui doivent être adoptées pour que nous arrivions plus vite, eh bien, ça est capable de motiver le chef de l'État. Je dis en Abdou qu'il y a des discussions en profondeur qui sont faites
au plus haut niveau de l'exécutif pour voir comment arriver à un formatage, un nouvel formatage du cabinet ministériel qui permette nous capables d'aller plus bien et plus vite en besogne conformément à la vision et aux objectifs du président de la République. Directeur ministère intérieur, collectivité territoriale, la Fidèle Monchéri, fait connaître. Il a auditionné mercredi 11 avril, là, environ 11 personnes qui étaient jeunes à l'arrestation, mardi 10 avril, là, dans le tribunal section S, après, pour déférer par la justice. Directeur Fidèle Monchéri expliqué, les personnes qui ont arrêté, c'est les personnes qui étaient jeunes dans des espaces côté à faire faux documents pour faire passeport. Li promet, il a continué travail avec des machins pour finir avec mauvaise pratique, ça, suivant extrait. Parce que là, effectivement, hier, nous avons procédé avec le juge de paix. Nous avons entré des lieux dans un espace, côté que nous avons près de 2 mois de travail sur lui en termes d'information. Parce que nous avons des documents qui viennent joindre nous dans l'immigration, au niveau archives, en matricule fiscale, SIN et NIF. Et documents ça n'ont pas gagné pour avoir un document que l'État y mettre pour nous être capable de faire passeport. Donc, dans ce sens-là, nous avons diligenté des enquêtes. Nous gagnons des informateurs nous et nous arrivons en attendant pour un 2 sites de faussaires, de espace côté que nous joignons toute qualité de en pile extra-archive, matricule fiscale, SIN, NIF et imprimante, ordinateur, côté qui a fait faux documents. Donc, la justice est présente avec 2 juges de paix plus greffier. Et il a fait constat, entre les lieux, il a pu constater, il a vu des individus en dedans même, et il a procédé avec arrestation. Et pendant par la voilà, il a auditionné dans le tribunal section S, puis il a déféré par devant la justice. Voilà par nous, c'est découvrir les bagages, mener enquête pour nous mener, et puis avec preuve à l'appui, depuis qu'il y a un indice, la justice pour lui-même, pour le capable, fait travail pour que. Image pays, parce que ça est capable de déboucher sur des bagages que nous n'avons pas espéré, parce que soit fait des faux documents, on connaît tout risque à gagner en termes d'immigration. Donc, image pays à la salle, étrangers n'ont pas respecté nous, et on gagne risque pour que on facilite les gens que la loi, la justice a poursuivre, entrer sur le territoire là, venir faire sabotage, venir faire des autres. Nous gagnons près de 11 personnes que la juge de paix, parce que livré dans la zone là, dans l'espace là, tout le monde est joint et obligé qu'il y ait. Dans là, c'est enquête là, c'est interrogation qu'il va le faire de lui-même, c'est questionnement qu'il va le faire, plus documents qu'il joint en possession qui va le définir est-ce qu'il est coupable ou bien est-ce qu'il n'est pas coupable. Le dossier dans le journal là, député 3e circonscription Port-au-Prince-Lan, printemps Belizère, mandé autorité concernée au prend responsabilité yo sur mauvaise situation qu'a développé dans 3e circonscription pendant dernier moment sa yo. Parlementaire encourager population à entendre dans l'union avec la paix pendant souhaiter autorité au travail pour porter développement social by population dans quartier populaire yo. Nous invitons suivre un extrait dans micro Fidèle confident avec Moïse Wedwich. Nous demandons la police pour prendre responsabilité, pour sécuriser la population. Et je profite de ces circonstances pour faire un gros coup de chapeau pour la police nationale qui prend responsabilité. Depuis il y a de cela 2 jours, côté qui a sécurisé la population et qui permet que les gens soient capables de vaquer normalement à l'occupation. Je dis à la moi, je lance un appel à tout le monde qui vit dans différentes zones dans la troisième année. Pour me dire, troisième n'a pas besoin de coups d'âme qui a chanté là-dedans. Troisième n'a pas besoin de division. Troisième n'a pas besoin de conflit. Mais troisième n'a besoin de voir unité entre toutes zones, entre toutes citoyennes dans troisième n'a pour nous arriver à poser problème social. Troisième n'a, qui c'est encadrement pour génio, qui c'est l'école classique, l'école professionnelle pour génio, qui c'est marché Fontamara avec l'hôpital Simbi Continental là qui doit finir. Pour retirer la population dans une situation difficile que vous trouvez aujourd'hui. Et aujourd'hui, si la police réalise des éléments en non-population qui ont des âmes dans qui empêchent la population de vivre en paix, ils reviennent à la police pour la police mettre service de renseignement en branle pour identifier les bandits et l'intervention a fait pour ne pas gagner des victimes collatérales, c'est-à-dire pour ne pas gagner qui victime à travers des interventions de la police. Donc nous même si pas nous
c'est d'abord permettre que l'institution PNH ait tout moyen possible pour faire travail, c'est-à-dire à travers des budgets qu'il vote, PNH a une rubrique qui a lui-même, non seulement pour le fonctionnement de l'institution et pour le fonctionnement du service de renseignement. C'est sur information ça, après on pose dans le journal là, pas déplacé, n'a pas tourné. Dans l'actualité internationale, le président américain Donald Trump a parlé dans le téléphone avec Tokay Tukli, Recep Tayyip Erdogan, à mercredi. Discussion yote chita sur le développement de la situation dans le pays Syrie. Nous invitons à suivre un reportage. Turquie et États-Unis, c'est deux alliés dans l'OTAN. Développement de la situation dans le pays Syrie a été discuté pendant le président Tukli, Recep Tayyip Erdogan, avec le président Donald Trump, a parlé dans le téléphone. Selon porte-parole Maison Blanche Lan, plusieurs options déjà stables et au poco seulement militaires. Le président américain a poco établi calendrier et envisagé plusieurs options, mais poco gain aucune décision finale qui est adoptée. Pays Russie et Syrie, c'est responsable d'attaque chimique Lan, d'après porte-parole Maison Blanche Lan, Sarah Sanders. Président russe là, Vladimir Poutine, espérait tout le monde entrer dans bon sens, pendant qu'il souhaitait relations internationales venir stable. Secrétaire général l'ONU, Antonio Guterres, encourage 5 membres permanents du Conseil de sécurité pour éviter situation dégénérée dans le pays Syrie. Toujours dans le pays Lord Bodlo, le Premier ministre britannique Theresa May a réuni en urgence avec le gouvernement sur le dossier Syrie. Convocation s'est faite dans l'idée pour discuter sous possibilité pour tenir une action militaire bon côté États-Unis avec la France suite à l'attaque présumée régime Bachar al-Assad. Nous invitons à suivre l'autre reportage. Tension n'est pas suspendue montée sous scène internationale après attaque chimique présumée régime Bachar al-Assad sous ville Douma. Premier ministre britannique l'a convoqué en urgence jeudi 12 avril l'équipe LIA pour discuter sous réponse de Dubaï régime syrien après attaque ça. D'après Washington à Calielio, attaque satellite la cause d'une quarantaine de monde perdu la vie samedi 7 avril 2018 là. Dans le dossier sport, football, Racing Club haïtien a préparé dans l'idée pour faire un résultat positif face à Don Bosco Pétionville dans le cadre 11e journée championnat national première division 1. Et puis à l'étranger, Europa League, Marseille contre l'Espig, CSK à Moscou contre Arsenal. C'est quelques matchs qui ont gagné jeudi dans le cadre quart de finale, retour compétition ça. Nous invitons à suivre. Championnat national football première division 1 pour le connaître 11e journée le week-end qui a venu là. Même Jean à AS Sud-Est, Racing Club haïtien trouvé lui dans une situation difficile dans la compétition RNPIA. Je ne suis là, Vieux Lyon a recevoir Don Bosco de Pétionville en stade Silio 14 dimanche qui a venu là. Journée mercredi 11 avril 2018 là, formation Jeunet Bleu a été à l'entraînement pour préparer choc ça qui va l'opposer club méchant méchant à formation Vieux Lyon. Frenzy Dor dit déterminé pour victoire ça. Tout bagaille normal net, on a préparé nous davantage parce que nous étions en bas dans le championnat. Juste on a préparé nous pour nous confronter Don Bosco, pour nous remonter dans le championnat. Les virés sont Don Bosco sont gros matchs. Juste nous-mêmes, nous, comme si on a gardé Don Bosco comme une équipe qui est devant nous, juste tape toujours, j'en déconne, on a toujours joué comme ça. Juste pour nous faire victoire, pour nous remonter dans le championnat. Depuis l'équipe là, on a toujours, on a pas toujours pensé qu'il y a un gros problème, mais pourtant, tout le joueur toujours motivé. Juste nous, pour nous comme si atteindre l'objectif, nous, pour nous remonter dans le championnat. Juste nous-mêmes, nous allons travailler d'avant. Avantage ne pas décourager parce que son championnat lié mon équipe parce que ou presque avant dernière position après 10 journées pour décourager juste nous va travailler davantage pour remonter protéger son supérieur trouver en 15e position dans classement à 7 points une victoire 4 matchs nuls 5 défaites. Président République là Jovenel Moïse a participé dans 8e sommet Amérique là 13 à 14 avril sous thème gouvernance démocratique face à la corruption dans pays Pérou. Travail construction route à nous en savo lancé, travail sa fête dans quatre caravanes changement, une initiative population applaudit. Président public là, Jovenel Moïse, ministre travaux publics, transports, communication Fritz Kayo et puis directeur général IDH là, Hervé Pierre lui, visité mercredi 11 avril là, sous les stations électriques Tabala dans quatre dispositions qui prend pour tablier électricité 24 sur 24 dans le pays. Non page sport, football, racing club haïtien a préparé dans l'idée pour faire un résultat positif face à Don Bosco Pétionville dans la 11e journée championnat national première division 1. Voilà, journal arrivé dans Boutli. Merci pour fidélité ou attention. Restez branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bon après-midi tout le monde.